Ma rencontre avec euh, Arakiri remonte à euh, début des années 70. Le film avait déjà une dizaine d'années. Euh, C'est un film j'ai pu voir dans une salle de répertoire à Nice, euh, qui était une assez belle salle pour tous les cinéphiles, qui s'appelait Le Mercury. Et ils avaient passé le film. Le film avait une très grosse réputation. Euh, surtout pour une raison assez simple. D'abord parce que le cinéma japonais euh, était encore assez récent en France. Euh, il était vraiment, il avait émergé avec, un, euh, aux yeux de la critique, avec un film qui s'appelait Rashomon en 1950, un film d'Akira Kurosawa. Et évidemment, la tendance était confirmée avec Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa, du même réalisateur. Et le cinéma japonais n'avait cessé de grandir en fait, au, et auprès de la critique et auprès du public. Et une des raisons pour lesquelles le cinéma japonais était populaire aussi, il faut pas le négliger, surtout dans le cas d'Arakiri, c'était son extrême cruauté qui était très originale par rapport au cinéma, euh, au cinéma, euh, euh, je dirais euh, conventionnel occidental. Et euh, Arakiri, en plus, le titre sonnait comme quelque chose d'assez fascinant. Euh, c'était ça renvoyait effectivement à une pratique euh, des, des samouraïs. Euh, des hommes d'honneur japonais qui fascinaient l'Occident dans la mesure où euh, elle échappait complètement à nos propres codes, à nos propres règles. Donc euh, c'est vrai quand on allait voir Arakiri à l'époque, donc au début des années 70, on allait voir un film qui était aussi euh, un film cruel. Et je dis cruel au sens noble du terme. C'est-à-dire que j'essaye pas d'accentuer le côté sensationnaliste. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose. Beaucoup, de, par exemple, de critiques ont, ont dit une chose assez vraie, c'est que la cruauté dans le cinéma japonais, elle a, elle a exactement la même place et la même puissance transgressive et le même rôle que par exemple dans, le, dans les œuvres du Marquis de Sade. C'est-à-dire qu'elle sert en quelque, quelque sorte à mettre en accusation une société. Il y, a, il y a une valeur en fait euh, transgressive dans l'emploi de la cruauté. Et euh, donc, Arakiri faisait partie de ce genre de film. C'est-à-dire qu'on avait envie de voir Arakiri parce qu'il paraît, ce qu'on disait, qu'il y avait deux scènes absolument intenses euh, euh, dans ce film, et notamment la, une, une scène d'éventration avec une épée qui n'est même pas une épée en, en métal, mais une épée de bambou, qui est une scène monstrueuse, euh, Qui est, et encore aujourd'hui, vous allez la voir dans, dans, dans le film. Encore aujourd'hui, reste absolument, euh, je veux dire, hallucinante à regarder. Donc ça, c'est ma rencontre avec Arakiri. Arakiri, c'est aussi le, le film d'un metteur en scène, Masaki Kobayashi, qui a eu la réputation dès le début des années 60 d'être l'un des plus grands cinéastes du monde. Euh, Entre-temps, on l'a un peu oublié. Alors il y a une raison assez facile à ça, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de films. Disons sa période de maturité n'a pas été très très riche. Il y a des metteurs en scène japonais qui ont continué énormément à tourner. Comme Akira Kurosawa, euh, ou même aujourd'hui on redécouvre des, des œuvres comme celle d'ideo Gosha, qui est un autre réalisateur de films de samouraï important, qui a notamment fait Goyokin, parce qu'ils ont fait un certain nombre de films. Kobayashi a fait peu de films, C'était presque, il avait presque, un, j'oserais dire, un, un, un rythme industriel à la Kubrick, dont on peut le rapprocher sur pas mal de points. Euh, C'est-à-dire que Kobayashi était, un, était un, 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 un cinéaste qui a commencé sa carrière en faisant un certain nombre de films de mélodrame et ensuite s'est orienté vers des films de plus en plus engagés, euh, et finalement, au début des années 60, a atteint sa pleine maturité. Malheureusement, il est arrivé à une période qui était une période agitée et socialement, et industriellement au Japon, euh, dans la mesure où il s'est retrouvé, en quelque sorte, au moment où les grands studios japonais ont commencé à avoir des problèmes, c'est-à-dire le milieu des années 60. Ils ont les, 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 les fondations du cinéma japonais industriel, qui étaient assez puissants, ont commencé à être ébranlées. Et il a été une des premières victimes. Il a fait un film admirable, euh, qui est le film d'ailleurs pour lequel il est le plus connu en Occident, qui s'appelle Quaidon. Le film a été un immense échec au Japon, et il a été obligé en quelque sorte de, de devenir indépendant pour continuer à tourner. Et ça n'a pas été facile pour lui. Euh, il s'est mis à avoir des rythmes. Euh, il tournait un film tous les 3 ans, puis les 4 ans, tous les 4 ans, etc. Et c'est pour ça aujourd'hui que Masaki Kobayashi, c'est un nom on, dont on se souvient, mais en même temps, et, et, et c'est pour, une, 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 pour ça que je suis très content aujourd'hui de pouvoir en parler, c'est un cinéaste qui est un, peu, euh, qui est un peu en marge, qui est, qui est en marge des analyses, etc. Euh, les cinéphiles en parlent, certains cercles en parlent, mais euh, il, est, il est un peu devenu lointain. Et je trouve formidable qu'aujourd'hui, grâce au DVD notamment, on puisse à nouveau réévaluer son travail qui est absolument colossal. Donc Arakiri est en fait son deuxième film de sa période de maturité. C'est un cinéaste qui passe à la maturité avec un film qui s'appelle La Condition de l'Homme, qui est un, un film sur sa propre expérience de la guerre, euh, puisqu'il a été euh, enrôlé dans la guerre du Pacifique, qu'il a d'ailleurs jugé dans, dans, et dans ses écrits, dans ses interviews, comme le sommet du mal humain euh, de, son, de, de sa propre expérience. Et donc il, euh, La Condition de l'Homme est un film monstrueux de 9 heures, euh, divisé en trois parties. À l'origine, qui devait être en six parties, et qui raconte l'enrôlement et, je dirais, la quête idéaliste et d'honneur d'un simple troufion japonais à travers la guerre de Mandchourie. Euh, la guerre de Mandchourie, qui était un sujet tabou au Japon, dans la mesure où euh, les Japonais se sont livrés en Mandchourie à des exactions absolument monstrueuses sur la population chinoise. Et euh, donc, c'était un, un sujet relativement tabou. Euh, mais qui était revenu en force à la fin des années 50 et au début des années 60, avec les, les, les je dis bien, les, les bouleversements sociaux auxquels on assistait au Japon. Euh, pour parler de ces bouleversements sociaux, il faut comprendre que le Japon était euh, à ce moment-là presque un protectorat colonial américain, c'est-à-dire qu'après la défaite, les Américains ont, se sont installés au Japon et ont, spécialement installé, ont pris le Japon en fait, comme une immense base militaire qui leur permettait en fait d'avoir une assise dans le Pacifique. Et euh, avec le durcissement de la guerre froide, il est évident que le Japon avait un rôle important à jouer euh, en tant que euh, situation stratégique. Et euh, au, dans, au début des années 60, les Japonais et les Américains ont été obligés de reconduire ce qu'ils on, qu ont appelé le pacte de sécurité, euh, qui était donc le pacte qui, qui liait le, le gouvernement japonais avec, entre guillemets, l'occupant américain. Et... À ce moment-là, euh, euh, il y a eu des, des manifestations monstres euh, au Japon, notamment des mouvements de gauche et également des mouvements euh, d'étudiants. Ce qui fait que euh, 1960 au Japon a été presque une sorte de pré-68. Cette ère que c'était manifestation dans la rue, euh, qui pouvait tourner mal à tout moment, etc. etc. Et c'est dans ce cadre que Masaki Kobayashi réalise Harakiri. Qui... Et donc, on comprend quand on regarde le film que ce à quoi il s'attaque. Euh, Au-delà de l'aspect film en costume, c'est euh, à la confiance en un gouvernement. Est-ce que nous pouvons conf avoir confiance euh, dans les choses qui nous dirigent Alors je dis les choses qui nous dirigent, parce que ce qui est intéressant chez Kobayashi, c'est qu'il a toujours mis en accusation, en fait, euh, une construction hiérarchique, pyramidale, euh, verticale de, de la société. C'est-à-dire que dans ses films, on s'aperçoit très rapidement qu'il n'y a pas réellement de méchant désigné. Souvent, dans les films de sable, il y a un méchant qui se bat vachement bien, etc. etc. Là, le, le, le monstre, c'est euh, l'état féodal, qui est représenté dès les premières minutes du film par une armure vide. Une armure qui est censée représenter l'honneur d'un clan, qui est le clan I.I., qui est le clan dont le, euh, dans, dans, dans le château euh, sert de cadre à l'action de Rakiri. Et cette armure, elle est voilà, la figuration de ce que Kobayashi met en accusation, c'est-à-dire l'état féodal, quelque chose qui a l'air fort et qui est vide de toute humanité. Ce n'est pas un symbolisme euh, facile que j'essaie je, que d'appliquer au film, puisque la, 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 dans la dernière scène, le héros va même jusqu'à s'emparer de cette armure et la traîner littéralement à travers le combat final. Et si on ne comprend pas effectivement que cette armure est réellement le mal, euh, tel que le figure euh, Kobayashi, on pourrait se demander pourquoi le héros fait-il ça ben En fait, c'est cette façon que le héros a de désacraliser. Une représentation en fait de l'État féodal dans ses règles et ses codes absolument incroyables, dont le plus cruel est le harakiri. Il y a quelque chose qui est qui est aussi symptomatique dans Harakiri, ça m'y fait penser, c'est que au début du film, on voit euh, un livre qui est en fait le compte rendu par le clan Ii de la de, de, la jour de cette journée-là. Kobayashi désigne très précisément. La façon dont la fiction humaine va s'opposer à l'histoire officielle. L'histoire officielle n'aura pas euh, noté la révolte de cet homme. Et elle mentira elle dira qu'effectivement, deux Ronins sont passés par là et se sont éventrés dans la cour de, cette, de ce château, en omettant que, 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 que c'est une histoire absolument pathétique et de, de, de pauvreté et de vengeance. Et en fait, l'histoire ne gardera aucune trace de la révolte de ces hommes-là. Là encore, c'est encore une fois l'expression de, de l'abomination humaine qui est cette société qui fait tout pour remettre tout en place. Comme je disais, à un moment donné, le héros attrape l'armure et, la, et la souille en la traînant à travers le château tout en se battant. L'armure est aspergée de sang, etc., etc. Mais à la fin, elle est nettoyée, remise en place et rien n'a changé. Et personne ne se souviendra de ce qui s'est passé ce jour-là. L'histoire n'en portera pas trace. L'humanité n'a finalement aucun sens par rapport à la sécurité et la tranquillité de cette société. Donc, l'histoire du film, c'est euh, en gros l'histoire d'un jeune samouraï qui est forcé de commettre harakiri alors qu'il est en quelque sorte venu d'une certaine façon qu'émandée à la charité, euh, à un clan, et les, les gens l'obligent à s'éventrer, euh, etc. Cette scène, euh, outre le fait euh, euh, qu'elle est extrêmement cruelle, comme je disais, est une scène intéressante dans la mesure où euh, constamment, durant cette scène, il y a un aspect didactique, c'est-à-dire qu'il y a un des, des samouraïs joué par Tetsuo Tamba, qu'on connaît parce qu'il était l'agent secret copain de James Bond dans On ne deux fois. Tetsuro Tamba est derrière le type qui est en train de s'éventrer. Il, il doit lui donner le coup de grâce, le fameux coup de grâce qui est euh, puisque les gens s'éventraient ensuite étaient décapités par un, un, un samouraï. Donc, euh, il lui est constamment Tetsuro Tamba est en train de rappeler le, le pourquoi, le comment du harakiri. Et, et c'est là où, où, où Kobayashi désigne réellement euh, l'état féodal comme quelque chose d'atroce dans la mesure où il montre que même à cette époque, euh, ils avaient fini par perdre euh, de l'esprit. À quoi, à quoi exactement ramener le harakiri Quel était exactement le sens de cette pratique C'est-à-dire que pour lui, ce qu'il y a de pire, c'est non pas la méchanceté de l'homme, mais ce, qui, ce que l'homme arrive à créer en tant qu'architecture politique, qui finit par, par le déborder complètement et ne même plus avoir d'humanité. C'est-à-dire que ces gens, en fait, sont complètement figés dans un état euh, féodal, auquel ils répondent euh, d'une manière servile, en ayant même oublié le sens premier. Euh, de ses règles. Donc c'est vraiment un truc kafkaïen presque. C'est-à-dire c'est un truc de fou. Et ça fait, à mon avis, de, de Kobayashi un cinéaste, à mon sens, au sens le plus noble du terme, philosophique. C'est-à-dire que dans, dans sa, la façon qu'il a euh, de, de mettre en accusation l'État féodal, il le prend, il, il n'essaye jamais de l'aborder de la façon la plus simple, c'est-à-dire la plus archétypale, qui est de montrer un méchant seigneur auquel va s'affronter le héros. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye constamment euh, de, 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 de montrer le film euh, sur plusieurs entrées, de créer, de, de créer en fait une, une critique qui fonctionne et à la fois l'étape euh, sur, sur un plan politique, social et, huma, et humaniste. Donc le film en fait peut être vu constamment euh, de plusieurs façons. C'est un, un film qui se prête parfaitement au DVD parce que souvent les DVD c'est des films qu'on aime bien, on les regarde une fois, deux fois, et puis on voit toujours le même film. Ce qui est formidable avec Kobayashi c'est que chaque fois qu'on remet le couvert, on s'aperçoit que euh, euh, on voit le film différemment. Tout simplement parce que les films de Kobayashi ont cette multitude d'entrées. Et sont, je dis bien, des, des œuvres philosophiques, au sens, au sens où étaient les œuvres de Stanley Kubrick. Pour moi, Kobayashi et Kubrick ont, 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 ont quelque chose de commun. Il euh, y a quelque chose de Barry Lyndon, pour moi, euh, dans, dans, dans Harakiri. Ce sont des films très similaires dans la façon dont, précisément, on peut un, un peu les, les envisager de plusieurs façons quand on les regarde. Ce sont des œuvres fascinantes. Et euh, véritablement, euh, euh, Kobayashi est un, un, est un cinéaste, à mon avis, majeur, euh, extrêmement important. Alors bon, le, le, ce qui est intéressant, c'est que, que Kobayashi ensuite va, va uh, est en fait le, le premier volet d'un diptyque uh, qui se poursuivra avec un film qui s'appelle Rébellion, uh, qui est un film uh, interprété uh, encore une fois par Tatsuya Nakadai qui, qui joue là ici le, le héros, uh, le vieux samouraï, et uh, il sera également joué par Toshiro Mifune, et c'est un film qui mettra encore une fois en accusation uh, cet état féodal. Alors, pour parler de l'état féodal, la plupart des films de sabre, ça c'est aussi une caractéristique chez Kobayashi, la plupart des films de sabre japonais prennent pour cadre euh, l'ère Meiji, le début de l'ère Meiji. Alors, l'ère Meiji, c'est simplement, euh, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est au moment où l'empereur va être restitué. C'est au moment où l'empereur va être remis sur son trône, et ça correspond euh, à l'entrée du Japon dans la modernité. C'est le moment. En fait, où euh, ben le, le, euh, le sabre, par exemple, les gens n'ont plus le droit de porter un sabre dans les rues. Euh, il y avait même des brigades de policiers qui étaient là pour faire respecter l'ordre et pour empêcher les samouraïs de continuer à se balader dans la rue avec leur sabre aux côtés. Euh, donc, c'est l'abandon du sabre marque le moment où le Japon, sous influence occidentale à ce moment-là, va rentrer dans l'ère de modernité et euh, va s'incarner sous la forme de l'empereur qui a donc remis sur le trône, etc. Ça, ça c'est l'ère Meiji. La plupart des films de samouraï prennent cette période pour cadre, pour une raison extrêmement simple, c'est la romantisation du personnage du samouraï. C'est le moment où le samouraï va quitter en fait la scène, et donc c'est une façon, en quelque sorte, de faire une apologie chevaleresque, romantique de l'homme d'épée. Et euh, euh, souvent, les films qui se déroulent à ce moment-là, les, les, les films de sabre qui se déroulent euh, au moment de l'ère Meiji, sont en fait des films de sabre empreints de nostalgie. Et. On peut le dire profondément réactionnaire dans la mesure où le samouraï, la figure du samouraï, s'oppose naturellement à la modernité. Le, le Kobayashi ne fait, pas, ne, ne fait très attention de ne pas justement se situer dans cette, dans, dans, dans cette période. Et lui, il situe Arakiri et c'est très précisé au début du film. Au début, en fait, de l'ère Tokugawa. L'ère Tokugawa, c'est en fait les 250 ans, les deux siècles et demi qui précèdent l'ère Meiji. C'est le moment où l'état féodal au Japon est à son maximum. Quand je dis à son maximum, à son maximum d'autoritarisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Japon est en plein état féodal et tout est tellement bien réglé qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'affrontement entre les daimyos, c'est-à-dire les, les lords, les seigneurs, qui se partagent le Japon. Tout est pacifié, tout le monde est à sa place, tout fonctionne, tout roule. Et paradoxalement, cette ère de paix est abominable dans la mesure où elle, elle rend totalement aliénante euh, les règles de la féodalité. C'est exactement cette période que prend euh, Kobayashi comme cadre. cest d'ailleurs le moment où la féodalité a tellement réussi son coup que tout le monde vit en fonction de règles absolument inhumaines auxquelles tout le monde se plie et, euh, et, et évidemment y compris les samouraïs qui se retrouvent sans boulot. Et le jeune samouraï qui vient au début... Pour se faire à et précisément un ronin, à ronin, c'est-à-dire qu'il est, il est euh, acculé à la pauvreté et il préfère se donner, il préfère dire qu'il vient se donner la mort d'une manière noble, d'une manière samouraï, en se faisant harakiri. Donc euh, Kobayashi choisit le, le, le début de l'ère Tokugawa parce que précisément pour lui, c'est là où le système féodal atteint sa pleine vitesse aliénante. C'est-à-dire où on est plongé dans un truc complètement dingue, une ère de... Il faut imaginer une nation dont la paix est pire que la guerre. C'est vraiment ce, que, ce qui est dépeint dans ce film. Et euh... Alors, je voudrais rassurer les gens qui m'écoutent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin pour regarder Arakiri de savoir tout ça. Ça, c'est aussi une des grandes forces de Masaki Kobayashi. C'est-à-dire que c'est une œuvre absolument pure. Euh, dans la façon dont elle est écrite. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun problème pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance de l'histoire japonaise. Euh, il n'y a pas besoin de connaître les règles euh, du, du, du Bushido ou de, ou de la féodalité japonaise. C'est absolument limpide. Aussi parce que le film est écrit par le plus grand scénariste de l'histoire du cinéma japonais. Je dis bien le plus grand parce que chaque fois qu'on pense à un immense film qui a marqué le cinéma japonais, c'est lui qui l'a écrit. Ce type s'appelle Shinobi Hashimoto, il est toujours vivant d'ailleurs, bon pied, bon oeil. Et euh, c'est lui qui a écrit Rashomon, qui est le film qui a ouvert littéralement euh, le cinéma japonais à l'Occident. C'est lui qui a écrit Seld Samurai. C'est lui qui a écrit Harakiri. Euh, c'est lui qui a écrit Rebellion, l'autre film de sabre de, de Benzaki Kobayashi. Euh, c'est lui qui a écrit, à mon sens, le plus grand film de sabre de l'histoire du cinéma japonais, qui s'appelle Tenshu, qui est un film d'ideo Gosha, avec l'écrivain Mishima. Chaque fois qu'il y a un grand film qui s'est fait à cette période, cette période clé charnière des années 50-60, c'est Shinobu Hashimoto. Et euh, le script d'Arakiri, il, il, il prétend, mais je veux bien le croire, qu'il l'a il a écrit en 11 jours, et la construction est absolument impeccable. C'est-à-dire la façon dont se juxtaposent les actions du passé, du présent, la façon dont est décrit euh, le calvaire du jeune samouraï, et la façon dont son beau-père... Incarné par Tatsuya Nakada, il vient en quelque sorte réclamer justice en se soumettant lui-même au Harakiri. Tout cela est monté d'une manière absolument incroyable. Et je dis bien, personne n'aura aucun problème pour suivre ce film. Euh, et, et il y a une musique euh, dans le film euh, dément de Toru Takemitsu. Toru Takemitsu, c'est un des plus grands compositeurs euh, de musique contemporaine euh, japonais. Euh, c'était, je crois, sa première contribution au cinéma. Euh, pour lui, c'était un challenge. Euh, récemment j'ai relu une interview de lui où il disait qu'il euh, était très excité quand il a vu le film de mettre de sa musique dessus mais pour lui ce qui était faramineux c'est qu'à un moment donné il y avait il y a le moment où, 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 où Tatsuya Nakadai vient s'agenouiller dans la, dans la cour qui est un moment absolument incroyable dans le film euh, il était il est impatient de mettre de la musique dessus le problème c'est que la scène fait 15 secondes et pour, le, pour un compositeur il fallait trouver quelque chose à mettre qui fasse sens en 15 secondes et euh, et en fait, il a mis le son d'un instrument cl classique japonais qui s'appelle le biwa. Et la scène prend tout son sens. Toru Takemitsu était connu pour pouvoir mélanger le, les instruments occidentaux classiques avec les instruments folkloriques japonais. Euh, C'est un compositeur qui va marquer euh, toutes les années 60 et qui va continuer euh, son, son, son avènement jusqu'au jusqu milieu des années 80. Il fera notamment la, la splendide musique orchestrale de Ran, de, de, de Kurosawa. Euh, mais ce, Toru Takemitsu est, est l'illustrateur du cinéma moderne japonais. Euh, C'est de la musique euh, contemporaine, moderne, parfois concrète, euh, extrêmement euh, particulière, qui établit dans, dans le film un, un climat d'inquiétude euh, assez sidérant. Le, le, la façon dont la musique euh, remplit ces espèces d'espaces vides. Euh, très très précis très construit avec ce, les, les poutres de bois etc les, les tatamis et la façon dont la musique vient remplir ça est, est très symptomatique là encore de l'entrée de, 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 de la modernité euh, dans le cinéma japonais et là aussi c'est un film assez fascinant parce que c'est réellement un film de samouraï un film d'action et pourtant il n'y a pas beaucoup d'action euh, la plupart du film se déroule à genoux dans une cour avec des gens qui parlent, avec des flashbacks et des choses comme ça, euh, c'est absolument fascinant. Euh, vous savez très bien que tout ça va mener à une explosion de rage euh, et de violence, et, et c'est inéluctable. Et vous voyez, et, et vous voyez se construire l'action. On peut faire aussi des films d'action sur la construction de l'action. celui-ci en est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, l'action est aussi dans son avènement. Elle n'est pas uniquement dans sa réalisation. Et la façon dont, dont euh, l'engrenage de violence se met en place devant nous euh, est sidérant, euh, et fait que le film se regarde à mon avis de manière totalement fascinée. Et euh, donc voilà, donc euh, Arakiri, à, à mon avis, l'un le, le, euh, des, des, des plus grands films du cinéma japonais. En tout cas, il, il permet de comprendre ce qui s'est passé euh, au début des années 60 et qui a très certainement euh, imposé le cinéma japonais dans une image qui lui reste encore aujourd'hui, c'est-à-dire celui d'un cinéma extrêmement formel. Euh, la photographie en noir et blanc du film est indescriptible. Euh, un cinéma marqué par la cruauté, qui en fait aujourd'hui encore un cinéma transgressif qui fascine euh, les, la cinéphilie occidentale. Euh, le, le film, véritablement, est un des premiers à avoir, en quelque sorte, euh, mis en avant cette image du cinéma japonais qui, aujourd'hui encore, lui colle à la peau. Beaucoup de cinéphiles, dont j'ai fait partie, euh, vont au cinéma japonais pour la transgression. Et ce film est un des premiers à l'avoir installé, je dis bien. C'est un des premiers à avoir établi le cinéma japonais sur le mode de la transgression, c'est-à-dire sur le mode de l'extrême cruauté, etc. Les films de samouraï sont établis dès le début des années 60 par Arakiri, par Yojimbo, le film qui plus tard inspirera euh, pour une poignée de dollars de, de Sergio Leone. C'est-à-dire c'est les films où tout est axé sur les samouraïs. Les codes d'honneur, des histoires qui leur sont consacr absolument consacrées. Et le terme pour euh, film de samouraï, c'est shambara » en japonais. Alors on dit que shambara », c'est en fait euh, un mot qui a été créé par l'onomatopée qui désigne le bruit de, de la lame dans la chair. Donc c'est vraiment typique. C'est donc ce n'est plus un film en costume, c'est quelque chose qui a trait à l'épée. Et donc, ces films ont établi le film de samouraï. Et Harakiri est réellement un film sur les samouraïs dans la mesure où il leur, il leur consacre en fait une histoire entière sur une pratique qui est absolument symptomatique de leur caste, de leur de leur rôle, de leur de leur image dans la société japonaise, la, la pratique du harakiri. Donc, Harakiri est, est pas seulement un film qui a introduit la modernité dans le cinéma japonais, c'est aussi peut-être l'une des fondations les plus importantes du genre le plus populaire, en tout cas à nos yeux occidentaux, du cinéma japonais, qui est le film de samouraï. Ce que je peux dire aussi aujourd'hui, c'est que le cinéma japonais continue à être très populaire, mais je dirais que le cinéma japonais aujourd'hui est très populaire à cause de son, de son raffinement. C'est un peu un cliché, mais c'est vrai que les gens aiment penser que le cinéma japonais est raffiné. Moi, je dirais que le cinéma japonais d'aujourd'hui est, 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 est un cinéma très transparent, au sens, au sens beau du terme. Euh, c'est un cinéma assez évanescent, euh, presque suspendu, assez féminin en quelque sorte. C'est un cinéma beaucoup sur l'état d'âme, sur la contemplation, avec encore un rythme assez lent, etc. Ce qui va frapper, je pense, les gens en regardant Arakiri, c'est l'extrême virilité du film. C'est-à-dire que le cinéma japonais à cette époque est un cinéma très masculin, qui n'est pas du tout le cinéma japonais qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir. C'est un cinéma, en plus là avec le, le, le scope noir et blanc et la façon dont les contrastes sont joués, c'est un cinéma architectural, minéral, extrêmement coupant. Dans ses constructions de composition de cadres, etc. Et c'est un cinéma très, très masculin. Ce n'est pas pour autant un cinéma misogyne. Notamment, Masaki Kobayashi, ce n'est pas visible dans celui-là, mais dans ses autres films, a été un grand cinéaste de la femme, du personnage de la femme. Mais son art, sa façon de composer ses films est très, très masculine. Donc c'est toujours frappant aujourd'hui, euh, où on baigne encore dans l'admiration la, du cinéma japonais, de regarder un film comme celui-là, parce qu'on découvre que ça a été un cinéma extrêmement viril, et en cela, qui a très facilement inspiré des classiques du western, comme Les Sept Mercenaires, ou Pour une poignée de dollars, qui étaient inspiré par les films de, de samouraï, qui étaient inspirés respectivement par Les Sept Samouraïs et Yojimbo, à cause précisément de cette expression de la virilité, euh, de l'héroïsme viril. Euh, qui est euh, assez frappant ici et qui est incarné par Tatsuya Nakadai, qui est l'acteur donc central de ce film. Tatsuya Nakadai, il est connu des fans de cinéma japonais, notamment des de films de, sa, de samouraï, parce qu'il est l'acteur le, euh, le plus fiévreux. Euh, vraiment, je peux pas décrire, je peux pas décrire son, sa façon de jouer autrement. C'est l'acteur le plus fiévreux du, du cinéma japonais. Euh, L'intensité de ses interprétations, là aussi, ont marqué leur époque. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, euh, il n'est plus totalement en odeur de santé. Lors de mes, de mes nombreux voyages au Japon, j'ai été frappé de, de voir à quel point les, les Japonais ont toujours, maintenant, aujourd'hui, essayé d'établir une distance avec Tatsuya Nakadai, parce que précisément, Tatsuya Nakadai a l'air toujours de jouer euh, avec 42 de fièvre. C'est-à-dire que vraiment, euh, la puissance de ses interprétations, aujourd'hui, n'a plus aucun équivalent dans le cinéma japonais. Aucun. Et, euh, mais il a marqué cette époque, euh, notamment ses yeux. Et la façon dont ses yeux sont mis en avant dans le film, euh, c'est absolument sidérant. C'est-à-dire que, euh, évidemment, euh, il est en quelque sorte dans, euh, figé dans sa noblesse. Il a, il a cette espèce d'attitude euh, hiératique euh, qui, évidemment, on attend de voir d'un samouraï. Mais les, les yeux de Tatsuo Nakadai sont littéralement euh, deux puits de, de braise, et euh, toute sa violence et, 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 et sa personnalité littéralement fuse par les yeux, et ça, ça permet à, à, à Kobayashi de faire des plans absolument incroyables, où le regard de ce type détruit tout sur son passage. C'est euh, là aussi, euh, je dis bien, le, ce qui est formidable, c'est de, de voir à quel point on peut faire un film d'action euh, en filmant des yeux déjà, euh, en filmant simplement l'incandescence d'un regard. On s'aperçoit que euh, l'action est déjà à son maximum. Et qui n'a pas besoin de dégainer les sabres pour que déjà on soit tendu sur le, sur le fauteuil à regarder ça. Et, euh, Tatsuya Nakadai était vraiment très fort là-dessus. Il est euh, l'acteur de Goyokin, qui est un des films de sable les plus célèbres euh, en France. Euh, C'est lui qui joue Goyokin. Et, euh, il a d'ailleurs euh, le même look que dans celui-là, avec ce collier de barbe euh, très brun, très, euh, très, euh, très minéral. Et euh, il, est, il est assez imposant dans, dans le film. Mais le, tout, de toute façon, toute l'interprétation de, de, euh, de, de Rakiri est impeccable. Le moindre rôle, euh, le moindre acteur est absolument, euh, absolument impeccable. Parce qu'en fait, tout sert chez, chez Kobayashi. Euh, tous les, tous les, les, les personnages servent à mettre en accusation, je dis bien, cette, cette machine infernale qu'est la féodalité. Euh, et tous sont en quelque sorte les petits rouages individuels. Euh, de, cette, de cette énorme machinerie qui broie les hommes et euh, les oblige à commettre, à commettre une abomination qui est de s'éventrer et euh, tout ça est, est, est mis en avant dans le film d'une manière comme je dis, limpide et, et précise et, et parfaitement, parfaitement à la fois cauchemardesque et fascinante un très bon film